Et puis le CEFI, au plus près des demandeurs d'emploi. Une nouvelle antenne a été inaugurée à Mahina, avec elle la promesse d'un accès facilité aux démarches administratives et de rapprocher les services publics des citoyens. Cette nouvelle antenne est donc une aubaine pour les habitants de la côte Est, ceux qui sont à la recherche d'emploi notamment. Ils seraient 1400. La ministre de l'Emploi et de la Solidarité nous en dit plus au micro de Mirko Vanfou. Ça va permettre plus de facilité pour les demandeurs d'emploi. Tous ne peuvent pas forcément venir en ville, prendre le bus, ça a un coût, c'est toujours un peu plus compliqué. Plus on approche le service public des gens, plus ils vont être à même à venir faire leur démarche. Et il en va de même pour les entreprises. Pour les entreprises de toute la zone, c'est quand même plus simple s'ils cherchent du personnel de venir à Mahina, dans leur commune, plutôt que d'aller en ville. Ça crée des embouteillages. Il faut prendre la voiture, ça prend du temps. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.